Coucou les mamans, aujourd'hui on se retrouve pour transformer votre poupette en flamant rose. C'est parti! Vous allez voir que c'est un tuto super sympa, pas très compliqué, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel puisqu'il n'y a que 3 couleurs. Donc pour commencer, on va prendre un rose et on va venir créer 2 ronds sur le front, pas obligatoirement symétriques. Ensuite, avec un pinceau biseauté, on vient créer le corps. Donc pour que ce soit un petit peu plus doux, il faut les faire légèrement de biais pour pas qu'ils soient raides comme un bâton, c'est plus sympa. Pour créer le corps, j'ai choisi de travailler à l'éponge. Je trouve que c'est plus pratique pour une surface un petit peu plus grande et ça permet de prendre son temps et de repasser plusieurs fois au même endroit. Donc pour une jolie réalisation, on va créer un triangle au-dessus du sourcil et ensuite on va peindre la paupière jusqu'à l'extérieur. Maintenant, nous allons créer une fleur centrale et quelques pétales sur les côtés et sur le dessus. Pour cela, j'ai choisi un violet un petit peu plus foncé que je vais mélanger au blanc afin de créer le contraste pour faire la fleur. Donc là, je reprends le pinceau biseauté. Si vous n'en avez pas, essayez d'en trouver un avec les poils un petit peu longs et pas trop épais. Et maintenant, on va venir créer sur les ailes les plumes ainsi que les traits pour un côté un petit peu plus sympa. Ensuite, on vient rajouter des petits points blancs pour faire les yeux, ainsi que des petits points de chaque côté du nez et vers l'extérieur. Maintenant, avec un petit peu de noir, nous allons créer le bec des deux flamants roses ainsi qu'un tout petit point dans l'œil. Donc là, vous ne respirez plus parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Si c'est raté, faut tout recommencer. Évidemment, que serait un tuto girly sans strass et sans paillettes? Ce ne serait pas un tuto girly. Donc je viens mettre un strass bien au milieu et je viens mettre des paillettes roses sur les côtés. Petit message personnel pour Lilou et Lohan, si vous pouviez dire à maman la prochaine fois qu'elle ne se mette pas dans le reflet du miroir, ce serait sympa. Bisous les filles!